Saint-Léon-sur-l'Île, 2050 habitants, une commune rurale sans médecin traitant et un bureau de poste qui ne cesse de diminuer ses amplitudes horaires. On n'a plus de médecins, on n'aura plus de postes, bientôt on n'aura plus rien à Saint-Léon, voilà. Une colère partagée par cette petite centaine d'habitants qui, depuis 5 ans, se mobilisent pour le maintien de leur bureau, qui prochainement perdra une heure d'ouverture par jour. Une décision prise par la Poste face à une baisse de 28% de fréquentation entre 2016 et 2019. Quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. C'est exactement la même chose avec la Poste. On ouvre sur des horaires qui ne correspondent pas forcément aux besoins des Saint-Léonais et après on vient me dire en mairie que la Poste, il n'y a pas grand monde qui va l'avoir. Le maire demande l'ouverture de la poste chaque matin, du lundi au samedi, afin d'éviter à ses administrés de se rendre dans les communes avoisinantes. Un déplacement pas toujours évident pour cette population vieillissante, dont un tiers a plus de 65 ans. J'ai 76 ans, bon, je conduis encore un peu, mais le jour où je ne pourrai plus conduire, moi, la poste, là, moi, j'ai tout sur place, quoi. Les discussions sont toujours en cours entre la commune et la direction de la poste. Elles ont 2 mois pour trouver un terrain d'entente.